Lascaux qui ont déjà une liste d'inscriptions longue comme le bras, les Bondinois veulent randonner. Bravo Lascaux. Et il y a l'association sportive Jean Renoir. Donc n'hésitez pas à leur rendre visite, mes chers concitoyens. Le programme est chargé, je ne vais pas être plus longue. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent week-end associatif. Et je laisse la parole à mon ami, le député de Bondy, président de l'Assemblée nationale, Claude Bartholin. Merci. Elle est trop forte. Elle est trop forte, elle a tout dit, donc elle me facilite la tâche. Et à Bondy, vous êtes vraiment trop fort, parce que réussir à monter cette journée en tombant sur peut-être un des plus beaux week-ends de cet été indien, c'est déjà vraiment une chance. Et puis après, avoir eu l'idée de faire ça le jour de la journée du patrimoine. Et vraiment, quand on parle du patrimoine, bien entendu, on parle des pierres, des monuments historiques. Ce matin, avant de venir vous rejoindre, j'ouvrais la journée du patrimoine à l'Assemblée nationale. Et je me disais, mais finalement, en allant à Bondy après, à Bondy en Seine-Saint-Denis, on va célébrer aussi de notre manière la journée du patrimoine. Parce que notre plus beau patrimoine ici en Seine-Saint-Denis, ce sont nos habitants, ce sont nos enfants, ce sont nos adultes, ce sont toutes celles et tous ceux qui, en Seine-Saint-Denis et à Bondy, sont capables de montrer comment on peut faire société commune dans un département où l'on sait, aujourd'hui on vient de tous les pays du monde. On arrive en Seine-Saint-Denis en ayant quelquefois des parents qui viennent de toute la terre, de tous les continents. Et ici, notre plus beau patrimoine, c'est de dire voilà, avec cet acquis, avec ses racines culturelles, avec ses racines, y compris en termes culinaires, on vient de manger avec Sylvine et quelques amis, que voulez-vous, entre la cuisine d'Afrique du Nord, la cuisine africaine, la cuisine orientale, bref. On voit bien comment aujourd'hui, ici, nous sommes en train de montrer que ces associations que vous fréquentez, que ces associations qui sont animées par des bénévoles extraordinaires, eh bien, vous êtes tous là pour montrer ce que peut être le patrimoine de Bondy et de la Seine-Saint-Denis. Et je vous le dis, alors que trop souvent, on parle mal de nous dans les médias, montrez à tous les observateurs ce que nous sommes capables de faire ensemble, ici, à Bondy et en Seine-Saint-Denis, franchement, eh bien, il fallait vraiment choisir la journée du patrimoine pour faire cette journée des associations, parce que notre plus beau patrimoine, je ne vais pas vous le chanter, c'est vous. Nous sommes en direct de Bondy avec le groupe Aquarella, donc nous on joue du samba carioca, donc on va mettre le feu à Bondy pour la fête du forum des associations. N'hésitez pas à venir plus tard, il y a toutes les associations de Bondy qui présentent leur travail. Voilà, nous c'est Aquarella de Paris. Bah, allez, on passe. Bonne journée. Bonne journée. Bravo. Bonjour, je m'appelle Shiva,
je suis président de l'association Lien Culture. Aujourd'hui, le carnaval, le festival pour toute l'association. Et ça va commencer à 10h. Hein. Donc, avec le temps comme ça, bon, donc, je pense que le temps, ça va améliorer après. Et donc, nous, on occupe beaucoup à éducatif. Voilà, on donne des cours. Et toute l'association, ça va démarrer à la semaine prochaine. Voilà, j'espère que tout va bien pour tout le monde. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Aujourd'hui, ce samedi 20 septembre, jour de l'automne, où il y a pluie et soleil. Quelle association que vous êtes? La compagnie Lala. D'accord. Bonne journée, bravo. Merci à vous okay. aussi. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Thank you.
Alors bonjour, nous c'est l'association Bois d'Arro. Donc on est une association de turning bâton qui fait beaucoup de loisirs et de danse, c'est de la danse afro-caribéenne. Là on a une partie de groupe qui s'entraîne, donc on fait des défilés, des danses sur podium, quand on est invité pour faire des mariages, des baptêmes et tout ça. Bonne journée. Merci. Ok, bravo. Historique de Bondy, où nous faisons des recherches tous les ans sur l'histoire de Bondy. Vous avez tous les bulletins qui sont là, et depuis 28 ans on cherche sur Bondy l'historique de comment elle s'est créée la ville et tout ça. C'est très intéressant, et vous venez nous rejoindre au local des bains-douches derrière la mairie. Voilà. Bonjour, alors nous allons vous présenter en fait la CFEB. C'est une association pour les familles, les parents et les enfants. En gros, en fait, c'est association communautaire pour l'éducation et la formation des enfants et parents immigrés. En fait, nos activités sont simples. On fait des sorties pendant l'été. Des sorties, ça peut être cinéma, parc, etc. En famille ou juste les enfants. Et à côté de ça, on aide en fait les personnes en situation de fragilité. C'est-à-dire qu'on va vous aider, par exemple, dans les dossiers de la CAF, la poste, etc. Après, sinon, vous pouvez vous renseigner auprès de monsieur, donc monsieur Diancar et madame Diancar, qui tiennent l'association. Ce sont les présidents. Merci beaucoup. De rien. Bonjour.
démocratie locale. Donc, quelles sont les instances de la ville? Le conseil des jeunes, le conseil de sages et les 5 conseils de quartier. Comment ça marche? Donc, vous pouvez vous inscrire. Si vous voulez, vous pouvez vous investir, soit en tant que membre du bureau, soit en tant qu'habitant le quartier et voulant participer aux réunions. Ça commence quand? Ça commence en octobre par les premières réunions de conseil de quartier et de conseil des jeunes et conseil des sages. À quoi ça sert? Ça sert à faire entendre votre voix et à vous impliquer sur les projets de la ville, partager des idées, proposer des projets et participer à des ateliers thématiques. Donc si vous voulez vous inscrire, vous pouvez remplir ce coupon réponse, vous inscrivez vos coordonnées, puis on vous recontactera pour pouvoir vous inscrire sur une des instances de démocratie participative de la ville. Voilà. Donc c'est ça la démocratie locale à vous. On vous attend. Ok. Merci beaucoup, bonne journée. Au revoir. Spectacle qui déambule avec Illusion et Prestige qui vont nous faire de jolies bulles géantes avec une fanfare. Vous avez aussi des magiciens qui sont du côté de l'espace repas.
petit peu d'ambiance. Donc, on se présente. On est la section judo de l'AS Bondy. Donc, on va vous faire une petite démonstration. Donc, on a principalement des adultes aujourd'hui. Il faut savoir qu'on touche également les enfants. Donc, à partir de 4 ans jusqu'à 77 ans, avec prudence. Donc, on va essayer de vous montrer un petit panel de ce qu'on fait au judo en espérant que ça vous plaise. On va commencer par quelques chutes pour réchauffer nos jeunes athlètes. Allez-y, je vous en prie, sur la diagonale. Se préparer à tomber, c'est important au judo. Ça peut servir dans la vie également. Allez, on va choisir un partenaire. Donc on va faire des répétitions de mouvements, donc pour travailler sur le placement sans se faire tomber. Donc on appelle ça au judo des Uchikomi. Donc on va se mettre avec un partenaire sur toute la surface. Allez, on est prêt. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Allez, on passe à l'autre. Donc ça permet d'affiner le placement pour essayer de rechercher le mouvement parfait. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Très bien, on va faire la même chose, sauf que cette fois-ci sur la dernière, on fera chuter son partenaire. Allez, 1, 2, 3, 4, et on fait chuter. Allez, à l'autre. Allez, 1, 2, 3, 4. Et on fait chuter son partenaire. Voilà. Alors on va passer sur le côté. Le film, yes. Vas-y, dis quelque chose. Peace and love. Tu dis, regarde, ça c'est le bar, le Murat. Oui, dis quelque chose. Bonjour de la part du Murat, bar à Bondy. Bonjour à tout le monde, au monde entier, tout en temps. À l'occasion de la fête de carnaval de Bondy. À l'occasion du carnaval de Bondy. On est à samedi 20 septembre. Comment tu t'appelles? David. David. David vous passe le bonjour de la chaîne YouTube ce soir. Ouais, ok, merci. Bravo. Super. Bonjour.